Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour la vidéo présentation de l'album. Je viens juste de le terminer, il est sec et tout. Vous avez eu, dernière vidéo, la présentation du matériel. Donc c'est parti mon kiki. Donc ici, donc la couverture en bois comme je vous avais montré, recouverte de papier déco, de papier holographique, gerba, j'ai rajouté donc de la paillette. Voilà, ici. Tout simple. Et ici, en fait, il me restait ça comme die-cut. Je me suis dit, allez. Et puis, j'ai recouvert avec une feuille. Tout simplement. C'est parti. Donc, destination palmier. Donc, on ouvre un espace photo. Bon, là, je me suis trompée dans le sens de mon tampon. Mais c'est pas grave, il y aura la photo, on ne verra rien. Une photo en 10x15. Donc, évidemment, ici... Ce n'est pas collé jusqu'au bout. Comme ça, la photo, elle passe. Hein. Bon, là, c'est une photo en 9x13. Et ici, j'ai un livret pour des photos en 9x13. Donc, c'est ce que je vous dis. Le nombre de photos que je vous ai indiqué lors de la vidéo, donc 43 photos, c'est à titre indicatif. Vous pouvez en rajouter, mais beaucoup plus. Hein. Donc ici, horizon lointain, s'émerveiller jour après jour. On ouvre une photo ici, une photo ici, une photo ici. Hop. Alors, une photo ici, une photo ici, une photo ici et une photo ici. Et toujours pareil, on y glisse la photo facilement. Voilà, donc c'est un album qui est quand même relativement simple. Hein. Du fait que ma tranche n'est pas trop grosse, bah, il a fallu un petit peu jouer un petit peu avec tout ça, composer avec tout ça. Donc ensuite, hop, on ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là, trois photos. Hein. Et une ici. Hop, ici, on ouvre comme ça et comme ça. Voilà. Et ici, à l'intérieur, nous avons un livret. Et voilà. Et ici, il n'y a rien. Ici, on aurait pu faire une double pochette, hein, mais finalement, j'ai laissé tel quel. Ça, en fait, je trouvais que ça permettait un peu de trancher les papiers déco et tout ça. Page suivante, des ailes. Hop, une photo. Donc là, pareil. Hein, on y glisse la photo sans aucun souci. Hein. Alors, les olives. Donc là, j'ai une photo. Une autre photo, une photo, et pareil ici. Hop, souvenir précieux. Et une pochette avec encore un livret pour des photos en 9x13. Alors, comme je vous le dis tout le temps, je fais surtout du 9x13. C'est pour, vu que moi j'utilise du papier A4, voilà, c'est pour optimiser vraiment mes papiers A4. Donc là, j'ai mis baignade, ce papier, c'est mon préféré. Donc ici, on a une pochette avec un livret. Hein. Hop. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça. On a encore deux photos. Et ici, j'ai une carte photo 10x15. Et ça, c'est une carte qu'il y avait dans la collection. Tout simplement. Donc, c'est des tutos qui vont relativement vite. Hein. Ici, hop, hop. Donc là, on a de quoi faire. Hein. Et puis, vous voyez, hop, les photos passent parfaitement. Une photo en 10x15. Et un autre livret pour des photos en 10x15. Et voilà. C'était la dernière page, pile derrière, de notre bloc. De notre album. Donc voilà, un petit album pas trop épais, pas trop, qui est totalement différent de ce que je fais. Parce que les papiers, en fait, voilà, le thème ne me parlait pas, hein, le fait d'être jamais allé en vacances là-haut et tout ça. Puis comme vous savez, c'est pour faire plaisir à mon papa. Voilà. Donc en fait, ce thème ne me parlait pas du tout.
et tout ça. Puis je me suis dit, oh, il faut quand même que je lui fasse son album, il n'en a jamais eu et tout ça. Puis bon, Alexia m'avait dit, à la boutique La Fille du Scrap, tu as le papier sur un air marocain. Donc, ce qui correspond un peu avec Djerba quand même. Et le mot en bois vient aussi de la boutique La Fée du Scrap. Mais c'est vrai que ces papiers, je les ai trouvés un peu compliqués à travailler parce qu'on n'a pas d'image, vous voyez, sur les papiers. C'est vraiment du papier soit fort chargé ou soit bah, comme là le jaune ou le marron ou soit bah, vous voyez le chargé là. Enfin bref, et après, il y a beaucoup de die-cut à couper. Bah là, il m'en reste, hein, vu qu'évidemment, j'avais tout commandé en double. Il me reste les die-cut, mais les die-cut, je les trouvais un peu compliqués à couper. Je vous explique pourquoi. Parce que là, en fait, tout autour là des palmiers, c'est une galère sans nom. C'est tout fin, c'est tout... Là, par exemple, la corde du chameau, là, je l'ai enlevée, quoi. Vous voyez? Ici, par exemple, j'arrivais pas à y vider... Je ne l'ai même pas coupé. Là, par exemple, ici à l'intérieur, les fleurs, là, par exemple, ben, je l'ai là. Je n'ai pas réussi à y vider. C'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment trop fin. Puis vous voyez, je trouve que en fait, je n'ai pas coupé net. Donc ça m'embête un petit peu. Bon. Alors, moi, le reste de mes papiers, parce qu'il me reste des papiers que je n'ai pas entamés, il me reste des die-cut et tout ça, je vais mettre ça sur Vinted. Voilà, parce que bon, je n'en aurais pas l'utilité. Donc voilà, donc je vais mettre ça sur Vinted, je ne sais pas combien. Hein. Mais parce que bon, tant qu'à faire, autant si ça peut faire plaisir à quelqu'un et servir à quelqu'un. Voilà, donc bon. Donc pour les personnes qui attendaient un petit album, bah voilà, maintenant c'est fait. Hein. Il n'est pas très gros. Accessible aux débutants, franchement les tutos ils sont assez rapides. Bon, je vous les mettrai tous les deux jours pour pouvoir gagner du temps au niveau des vidéos parce que j'ai toujours pas commencé l'album bébé garçon, donc là il faut vraiment que je me penche dessus. Et puis voilà quoi, donc j'espère que cet album vous aura plu, hein, que cet exemple de petit album vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. Puis, ben, j'espère que ça fera plaisir à mon papa. Je vais leur offrir demain. Voilà, plus qu'à l'emballer. Et puis, Poussinette fera la présentation à papy et à mamie. Hein, et puis, voilà, quoi. Allez, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous bah, donc dans 2 jours pour la vidéo, la première vidéo, tout simplement. On réalise la couverture, les blocs de pages, la reliure. Et puis, voilà, quoi. Donc, bon. Alors j'espère franchement, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce genre de petit projet, un thème particulier, mais qui peut être reproduit dans tous les thèmes. Hein. Franchement, si vous n'avez pas les couvertures en bois comme ça, vous recouvrez de papier déco, vous pouvez réaliser ce petit projet pour un petit week-end, une petite semaine de vacances. Une 50aine de photos suffit amplement. Et puis après, si vous ne voulez pas faire de livret, vous faites une carte et puis ça vous enlève encore des photos. Hein. Donc voilà, après c'est vraiment comme vous voulez, il est modulable, voilà, il est modulable. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Salut !